Chers frères et sœurs, chers diocésains de Lille, le pape François vient de m'appeler à vous rejoindre pour devenir votre nouvel archevêque. Me voici à nouveau invité à vivre un grand passage, quitter une église aimée pour m'ouvrir à une autre, pour tisser un lien d'amitié apostolique avec elle. Enraciné à l'ouest, en Bretagne d'abord, puis en Normandie, je ne sais rien ou si peu des Hauts-de-France. Votre terre, votre culture, votre histoire me sont inconnus. Je sais cependant que l'église diocésaine de Lille, si elle est jeune encore, est déjà riche d'une belle tradition, marquée par la personnalité des sept évêques titulaires et leurs auxiliaires qui l'ont guidée. Humblement, je reçois d'eux le témoignage d'une église qui, à cause du Christ et de l'Évangile, ne craint pas de prendre sa part dans les défis contemporains du monde, en relation avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Je salue de manière particulière les prêtres du diocèse, mes chers collaborateurs. En cette période troublée et exigeante, je leur assure de toute mon estime. Je salue aussi les frères et sœurs diacres avec leurs épouses, consacrées, religieuses, religieux, les laïcs en mission ecclésiale, serviteurs généreux et engagés, et tous les laïcs de tous les âges et de toutes les conditions. Si le ministère épiscopal invite souvent à la solitude, c'est vrai, il ne peut être exercé en solitaire. Le synode provincial que vous avez connu, redoublé par le synode actuel du pape François, trace les voies d'heureuse collaboration dans la diversité des vocations. Nous poursuivrons sur ce chemin. Je salue aussi mes frères évêques d'Arras et de Cambrai, chers Olivier et Vincent, avec qui j'aurai plaisir à œuvrer en province. Chers diocésains, j'apprendrai de vous. Vous me partagerez vos peines et vos joies. Je contemplerai votre foi, votre charité et votre espérance. Ensemble, nous discernerons humblement ce que le Seigneur attend de notre Église pour qu'elle témoigne de la continuité et la créativité de l'Esprit Saint, de l'œuvre du salut de Dieu pour le monde offert en Jésus, le Christ ressuscité d'entre les morts. Mon fardeau est léger et mon joug facile à porter. Cette promesse de Jésus dans l'Évangile de Matthieu est devenue ma devise. Elle est gravée au dos de la croix que je porte. Elle me rappelle ces jours à la force, à la confiance, à la miséricorde de Dieu, du Christ. Rien n'est possible sans cela. Chers frères et sœurs de l'église de Lille, d'ici le jour de mon installation, le 20 mai prochain, dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille, je vous porte bien sûr affectueusement dans ma prière et je vous remercie de prier pour moi. Alors que nous sommes entrés dans cette belle semaine sainte, et que nous suivons les pas de Jésus dans sa passion et sa résurrection, je vous suis tout particulièrement uni en cette célébration de la messe chrismale, dont la liturgie, vous le savez bien, manifeste la communion de toute une église diocésaine autour de son pasteur, la communion de tout le presbytérium et des diacres autour de leur évêque. Que la Pâque du Christ éclaire l'Église, que le Seigneur vous bénisse dans la joie de vous rencontrer bientôt, fraternellement, en sa présence. À bientôt.